Et bonjour à tous et à toutes, c'est After, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémémo. Et comme promis, j'ai mis mon petit ferro-singe niveau 27, alors si tu veux bien me l'afficher mon pote, vas-y. Voilà, petit ferro-singe niveau 27, j'ai capturé un Chétiflore, pour ceux qui s'y intéresseraient. J'ai capturé donc un Chétiflore, petit ferro-singe niveau 27, et bah écoutez, c'est parfait, on a tout fait, let's go. Donc on va vite fait évoluer donc ferro-singe et après on va partir tout simplement... On va pêcher un petit peu aussi dans cette vidéo parce que j'aimerais bien également donc monter Chétiflore et avoir un petit Magikarp histoire de le mettre niveau 21 et je pense que c'est niveau 21 et de l'up en Léviator. Et comme ça on aura déjà, je pense qu'avec un Magikarp on peut avoir Surf. Et alors là attention, bim, niveau 124 d'XP et boum. Mais attendez, qu'est-ce qui se passe, ferro-singe? Était-il en train d'évoluer? Il est en train d'évoluer, ce petit ferro-singe. Ah ben voilà, on tombe sur un bon Pokémon. On a déjà deux évolutions. Et voilà, Colossinge. Ça, c'est un putain de Pokémon. Hein. Alors, Frénésie augmente l'attaque de lanceur à chaque coup reçu. Frappe Atlas, ouais, non, je vais pas prendre Frénésie. Parce que Frappe Atlas c'est vraiment pas mal. Enfin, je sais pas si c'est vraiment vraiment fort, mais c'est plutôt pas mal. Alors au niveau des points de vie, il a quand même 74 points de vie, donc c'est pas mal. Roukoup, il a quand même 61. Et puis Chétiflore, il est niveau 16. Et il y a toujours mon Pikachu qui va bientôt up niveau 15. Voilà. Alors on va aller pêcher un petit peu, hein, comme promis. Il fallait quand même pêcher pour avoir un Pokémon haut au moins. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est qu'on parcourt un peu le monde. Qu'on obtient la deuxième badge, mais ça va être un peu dur parce que ça m'étonnerait qu'avec un ferro-singe je gère le badge 2. Par contre on peut toujours essayer puisque on va essayer de pêcher. J'aimerais bien tomber contre un petit Pokémon haut et pouvoir le capturer, ce serait vachement cool. Alors la canne à pêche utilisée, voilà, on va voir si on tombe sur un Pokémon on talk. Ouh, cool. Et c'est un Magikarp. Voilà, Magikarp niveau 5. Bon, bah écoutez, on va peut-être essayer de le capturer directement. Bag, parce que bon, il doit pas être très fort non plus. Hop, une Pokéball. À mon avis, même avec plein de vie, il doit pas tenir de résistance. De toute façon, je le tue. S'il résiste, je le tue. Donc. Voilà, ok. C'est cool. On a un petit Magikarp, de quoi gérer... Voilà, niveau 5, je sais pas ce que je vais pouvoir faire avec. On va peut-être encore pêcher quelques petites choses, juste pour voir s'il y a moyen d'avoir autre chose et de le capturer également. Hop. Ok, bon, bah, y a rien d'autre. Faudrait qu'on retourne aussi à la première ville, là où on avait la première arène. Simplement parce que j'ai donné à Bo... Quoique, c'était peut-être pas là, en fait. J'aimerais bien que tu soignes le Pokémon, s'il te plaît, merci. Du coup, bah, aujourd'hui, on va voyager. On va voyager, on va se battre. Déjà, ce serait cool. Par contre, il y a Colossinge, donc, et... comment il s'appelle ? Reptincelle, qui commence à faire donc des Laughing Around. Et donc, ça devient gênant, parce que Colossinge, également, il me faut un badge en plus. On m'avait dit que c'était un manque de badge. Et donc, c'est vrai, je suis totalement d'accord avec vous, il me faut le deuxième badge absolument, mais le deuxième badge pour moi est encore un peu trop dur à obtenir. Surtout que Colossinge, excusez-moi mais Colossinge, alors oui on va peut-être aller là où il y a les sous-sols parce que j'aimerais bien un Pokémon de type roche pour essayer de battre. Alors attendez, parce que Magikarp, est-ce qu'il a... Magikarp, qu'est-ce qu'il a comme truc ? Trempette, ok, et j'aimerais bien qu'il ait Surf, alors je sais pas s'il y a moyen d'avoir Surf avec ce Pokémon, mais bon... Voilà, tiens, on va mettre un petit Colossinge derrière nous. Yeah, yes, swag, Colossinge. Du coup, ouais, on va prendre notre petite bicyclette et on va retourner première arène. Tout simplement. Alors oui, voilà, tout simplement. C'est bizarre comment il roule. Boum, 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 boum. Et on va voir, alors je sais pas où j'ai déposé, où j'aurais pu déposer mon Pokémon. Je suis de garde ici, je crève de soif. Oh, la route est fermée, on ne passe pas. Putain. Faut à chaque fois aller par ce tunnel ultra long. Je ne sais pas quand on pourra traverser. Je sais pas quand, mais bon, voilà.
Alors attendez, sac. Hop, on prend la petite bicyclette et on y va. Eh bien écoutez, merci pour vos retours sur toutes les vidéos en général, peut-être pas pour les Pokémon. Pour les Pokémon, vous êtes quand même un petit public à les regarder et je suis ultra content. Et puis voilà, je sais que Pokémon, c'est pas non plus le jeu qui attire le plus, mais moi je me plais à fond sur ce jeu, donc on va dire que je suis ultra heureux. Hop, et d'ailleurs, j'aimerais bien... Je sais pas quand le let's play se finira, sûrement quand j'aurai tous les badges. Parce que mon but ça va pas non plus être de monter tous les Pokémon niveau 100. C'est un peu long quand même, hein, je tiens à le dire. Ok, un Miaou. Ok. Miaou, c'est alors mon petit Reptincelle qui va le finir normalement en 2-2, hein, si tu veux bien. Le Finger Round. Il va commencer à m'énerver tout doucement. Hein, je veux dire... Finger on, ok. Mais il devient en fait trop HL, je pense, et qu'il ne m'obéira absolument plus, en fait. Mais même pour ta dignité, mon pote, bats-toi pour ta dignité. Ok, Flamèche. Il va faire de plus en plus de Finger on, et il va falloir que je change de Pokémon. Donc je vais entraîner Rookoops. Je vais entraîner Rookoops parce que ça sert à rien d'utiliser des Pokémon qui font ça. Ça m'énerve plus qu'autre chose. Alors ici, il y avait quoi? C'était peut-être ici où on avait déposé notre abo. Ouais, c'était ici. Donc, alors... your abo has grown a lot. Yes, quite a lot, I'd said. Let me, by level is going to be... Oh, purée, il est quand même niveau 13. C'est cool. Oh, me for the return of this Pokémon. Non. Fine, come anytime you like. Ok. Donc, il faudra donner des sous. Je vais pas le donner tout le temps. Je vais pas le donner maintenant. Parce que, tout simplement, voilà, j'ai pas envie de donner tout de suite des sous. C'est cher quand même. Donc on va peut-être... Pourquoi pas... Je vais essayer Colossage quand même. Parce que ça tombe, il est fort. Puis Recoups. Voilà. Allez, voilà. Je vais prendre... On va aller retester vite fait la reine 2. J'espère qu'on va la réussir cette fois-ci. Ce serait vachement cool parce que le Staros, il est vraiment trop puissant. Je peux rien faire contre ce Staros. Si j'arrive à tuer le Staros, le Starry, bah, il est gérable, vous voyez. Mais si j'arrive pas, bah, il faut absolument que je tue le Staros. Enfin, si j'y arrive pas, il faut que je trouve d'autres Pokémon. J'ai pensé, j'ai demandé à Eltor, le Pokémon... Il m'a dit Pokémon de type peut-être roche. Ça peut être intéressant contre un type eau. Du coup, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller dans une grotte et de capturer peut-être un petit... allez, comment ça s'appelle? Un petit racaillou, voilà, vite fait. Et puis le monter de niveau pour gérer, je sais pas. Je sais vraiment pas... qu'est-ce que je peux faire pour gérer, mais il va falloir gérer de toute façon. Donc. Un petit Starry niveau 18. Moi, j'ai un Colossinge niveau 28. Et on va faire un petit point karaté. Boum. Ah ben voilà, Starry est fini. 408 XP, c'est pas mal. Hop. Et le Staros, c'est le seul Pokémon le plus dur, j'ai l'impression. Point karaté, boum. It's not very effective. Ok, Vibraquois, par contre, ça tape ultra fort. Je sais pas si là, il va taper fort là-dessus. Avec un combo griffe, voir un peu. Hop. Trois coups, ouais, il y a moyen de gérer avec tous mes autres Pokémon. Oui, il y a moyen. Pff, putain, il fait que des coups critiques en plus. Point karaté. Allez, mon pote, tu peux y arriver. Si tu peux faire un petit coup critique, ce serait cool. Et là, il va mourir normalement. Mais. Ouf, point karaté, me fais pas un Laughing Around. Putain, super potion, quoi, sérieux. J'ai eu du mal en plus. L'utiliser. Colossinge, combo griffe. Allez. Allez, il faut le finir. Vibraquois, c'est cool. Après, c'est mon petit Rookoops qui va attaquer. Rookoops, t'y vas, hein, mon pote. Allez, Rookoops. Une petite tornade, voir un petit peu si ça gère tornade. Allez, les gars, on va le gagner. J'ai l'impression qu'on va le gagner. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on va y arriver. Ah, putain, mais il devient confus. Il devient confus, c'est un peu chaud. Bon, allez, on continue, c'est pas grave. Tornade, Vibraquois, encore une fois, c'est impossible. J'arrive pas à gérer, je peux pas mourir comme ça, parce que... Non, je peux pas mourir comme ça, je vais mettre Reptincelle, on va voir. Normalement, lui devrait gérer avec Flamèche. Allez, mon pote. Oh, putain, mais si tu fais des Laughing Around aussi. Tout le temps, c'est chaud, quoi. Fais pas ça pour l'arène, s'il te plaît.
En plus, c'est super efficace contre toi. Allez, Flamèche. Vas-y, vas-y. Ah, putain. Tu passes, s'il te plaît. Non, je peux pas. J'ai dit Flore, elle va pas faire long feu. Hein. J'ai juste utilisé un réveil, Colossinge. Fouéliane. Putain, non, elle va le tuer. Ah non, vas-y, Fouéliane, mon pote. Yes. Yes, putain, yes. Oh, j'ai le deuxième badge, presque 1000 XP. Là, ça vaut presque un... c'est un double up. Niveau 18, il faut le mettre niveau 21 pour qu'il up, donc voilà. Poudre toxique, ouais. Ouais, avec croissance, parce que croissance pas trop fort. Voilà, et poudre toxique, ok. Bon, ben voilà, on a gagné. On a gagné la deuxième arène. En plus, il y a eu des évolutions, c'est vachement cool. Putain. Je suis trop content. Franchement, je suis vraiment très très content. Sur officiel, le serveur TM03 from Misty. La CT contient Vibraqua. Apprends-la à un type O. Ok. Je vais la prendre à. Comment il s'appelle Je vais la prendre à mon petit pote Magikarp. Allez. Je vais juste tirer. Hop, voilà. Alors, sac. Il me faut donc ma CT Vibraqua utilisée sur Notable. Ok, donc il est pas. Je vais taper, je vais essayer aussi. Punaise, ça tape fort. À la place de Frabatlas ou Balayage. Balayage. J'ai donc Balgren que je vais utiliser pour mon Shady Floor à la place de Libodage. C'est fort Balgren. Larsin, utiliser Tibel. Larsin c'est quoi? Alors c'est. Peut voler l'objet tenu par l'ennemi pendant l'attaque. Annulé, non c'est nul. Tombe Roche, utiliser Able, Able Colossinge qui est apte. Non, on va la prendre à... Ah, mais lui, il est apte aussi. Tombe Roche, voilà. Le type Roche. Ok, bon, bah voilà. C'est fait. On a déjà appris à plein de Pokémon, plein de trucs. Je vais juste aller ressusciter mes Pokémon. Oh, un petit Hortank, c'est pas mal quand même. Je vais aller ressusciter un petit Pokémon. Et on a notre deuxième badge. Si tu veux bien ressusciter, voilà. On a notre deuxième badge, du coup. Et c'est intéressant parce que... voilà. Ah mince, réveil c'est pas... Oui, mince. Réveil c'est pour réveiller, mais je suis bête, je pensais que c'était rappel, moi. Excusez-moi, moi, pour ceux qui ont regardé et qui m'ont fait « Ah mais After c'est vraiment trop nul !» oui, réveil c'est pour rappeler... c'est pour réveiller et pas rappeler. J'ai cru que c'était une potion de rappel, genre... ça pouvait l'aider, quoi, je pense. Enfin, je pensais quoi. Enfin bref, voilà. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va aller directement à la ville d'après. Par contre, j'ai pas la CT coupe et ça, c'est assez gênant. Parce qu'il me faut cette CT si je veux. Comment dire. Alors, sac. Bim. Il me faut cette CT si je veux accéder à la troisième arène. Non, mince. Il me faut donc cette CT si je veux accéder à la troisième arène. Et quoique, ici y a rien. Y a pas un truc qui s'est ouvert ou quoi. Non. Bon bah, je peux pas retourner par là pour capturer un type proche. Si j'arrive à capturer un Onyx, ce serait vraiment génial. J'aimerais trop capturer un Onyx parce que j'adore ce Pokémon. Il est vraiment très fort et je trouve qu'il est complet. Donc. J'aurais dû peut-être lui apprendre Tomb Rush à lui, mais. Bah non, de toute façon, il apprend Tomb Rush de base. Donc, je suis bête. Sac. Hop, voilà, utilisé et on est parti. On redémarre donc pour hop, on redémarre pour aller. Je vais laisser donc mon petit abo là. J'aimerais bien après mettre pourquoi pas Magikarp parce que ça va être très très chiant d'XP Magikarp. Ça va être très chiant d'XP Magikarp.
comme ça parce que Magikarp est niveau 5, il va se faire défoncer aussi simple, donc j'ai pas le multi expérience en plus et il me faut genre 50 captures de Pokémon pour avoir le multi expérience et je dois aller à Shen. Tu peux arrêter de voilà. Il faut aller genre à Shen, le professeur Shen je pense, pour l'avoir. Donc une fois que j'aurai 50 Pokémon capturés, ben voilà, hein, j'irai chercher tout simplement, le multi expérience. Voilà, comme ça on pourra faire XP même les plus petits Pokémon de la team assez rapidement et ça va être vachement cool. Donc voilà, et bien écoutez, ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être aller, alors j'hésite entre la grotte ou ici. Allez, on va dans la grotte. C'est pour aller où, qui m'avait dit? Ici il doit y avoir des topiqueurs ou un truc du style, non? Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. Des petits topiqueurs. Oh, du niveau 19, ça c'est cool. Hop, point karaté. Boum! Ça gère. En plus, ça s'expé bien. 209 d'XP. Ouais, je vais mettre mon recoups, pour que, en fait, il XP, enfin, il up, quoi. Ce serait cool qu'il up. Et alors là, c'est pour aller où, en fait? À Dicklet's Cave. Allez, vas-y, Roukoul, montre un petit peu de quoi t'es capable. Un petit niveau 20 contre un Roukoups. Roukoups, pardon, pas Roukoul, excuse-moi. Jigball. Je sais pas ce que ça veut dire. Attack Missile. Tornade. Topiqueur, il va me faire... Ok, ça m'affecte pas. Ah, c'est cool, ça. On va pouvoir gagner plus facilement. En plus, charge. Griffe, ok. Voilà, ça le tue, nickel, un petit 230 d'XP, ouh, ça fait du bien. Surtout que je dois up niveau 28 ou un truc du style, donc c'est cool. Je dois pas vraiment up beaucoup. Et heureusement que c'est pas des trio piqueurs, parce que les trio piqueurs, excusez-moi, mais ça tape un peu plus quand même. Hein. Alors voilà, tornade, c'est un bon petit frappe. Dug wall, je sais pas ce que ça veut dire, dug wall. Et alors tornade, ah oui, il utilise tunnel, et ça n'affecte pas Roukoups, donc ça c'est cool. Voilà, et maintenant, tornade encore une fois. Dug a hole. Et je sais pas ce que ça veut dire. Ah, attaque missile. Encore, on fait beaucoup d'attaques missile, là. Attaque manquée. C'est un peu nul, mais c'est pas grave. C'est juste que ça fait perdre du temps, je m'en fiche. Non. Et là, 231 XP. Ouf, niveau 22, c'est cool. Et bientôt Roukoups va évoluer encore une fois pour sa dernière évolution. Donc sûrement que je farmerai cette grotte parce qu'en fait elle donne vraiment pas mal d'XP sur des topiqueurs là. Il donne pas mal d'XP. Alors là on va XP un peu moins bien mais ça donne vraiment pas mal d'XP. Ça c'est vachement cool. Regarde vif. Use a tornade. Ouf, one shot. J'ai gagné 170 XP, c'est moins mais c'est déjà beaucoup plus que tout ce que je reçois. À côté, et normalement Reptincelle et Colossinge ne devraient plus de faire de Loafing Around parce qu'on a obtenu le deuxième badge d'ailleurs que je n'ai oublié de vous montrer et on va le faire directement parce que c'est ultra important de vous montrer ça. Voilà, 173 d'XP, en plus il XP trop bien quoi, franchement l'XP elle est magnifique. Alors là c'est quoi? Salut. Je suis allé dans la grotte, moi j'y voyais rien. Si le flash d'un Pokémon pouvait l'éclairer. C'est vrai. Du coup là on est à Diglett. Non là la route 2. What, on est où? Alors on va parler à un monsieur là. Lui il va nous donner un truc. Un Pokémon KO ne peut pas se battre. Il peut cependant encore utiliser des techniques comme coupe. Un Pokémon KO ne peut pas se battre, il peut cependant utiliser des techniques comme coupe. Oui, mais j'aimerais bien justement que tu me donnes coupe en fait. Je cherche un Abra. Tu veux changer mon Abra contre Monsieur Mime? Non. Pas cool. Il m'a pas donné la CT coupe, c'est nul ça. Parce que le truc c'est que j'ai pas la CT. Cet arbre semble pouvoir être coupe. Il est marrant lui. Du coup, ouais, il va falloir retourner ici. Ah, peut-être qu'ici il y a un truc. Il y aurait pas une CT cachée quelque part? Ce serait vachement cool en fait. Bon bah si vous savez où on obtient la CT coupe et la CT surf, ce serait vachement bien. Surf à mon avis on l'obtient peut-être avec...
comment... voilà, je vais d'abord vous montrer mon badge. Deuxième badge. Yeah. Ça gère, hein. Premier badge, deuxième badge. Voilà, du coup, nous, on prend le sac, on prend notre vélo et on se taille. Du coup, oui, je voulais vous dire, si vous savez où se trouve la CT coupe et la CT surf, ou peut-être que surf, on va la prendre naturellement avec mon petit Magikarp. Bah si vous savez tout ça, bah, vous pouvez le dire en commentaire, ça m'aiderait énormément parce que bah, y a déjà pas mal de commentaires qui m'ont aidé, vu que je les lis tous, bah, ça me fait de la lecture, j'adore ça. Merde, pas cyclone. Magnitude sad. Je sais pas ce que ça fait cyclone. Merde, ah oui c'est vrai, ça nous fait partir cyclone. Bon bah t'auras pas XP maintenant mon pote, dommage. Je savais pas, enfin j'avais lu mais je m'en souvenais plus et là je me souviens d'avoir lu en fait et que... Que voilà, c'est nul. Ouh, un trio piqueur. Cool. Ah, niveau 29 par contre. Ouf, ça va faire mal, mais ça va bien XP, donc c'est pas grave. Trio piqueur, du Godroll. Recoupe, tornade, on va voir un petit peu. Ah, merde. Ça l'affecte pas de toute façon. Donc, la, une des attaques les plus fortes des trio piqueurs n'affecte pas mon perso. Oh putain, y'a rien qui m'affecte en fait, c'est ça, c'est trop bien. C'est trop bien, Recoupe. Et en plus, l'évolution de Recoupes, c'est encore meilleur, j'ai l'impression. C'est un truc de malade, Recoupes, en fait. Quand vous commencez, commencez directement par Recool. Capturez-le, évoluez-le, et là, vous allez voir que vous allez être invincible. Parce que ce mec, enfin, ce mec, regardez, c'est un truc de malade. Vous venez ici, vous XP, c'est un truc de fou. 633 XP, ça va, quoi. Putain, oh là 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 là. À mon avis, c'est sur ça, non? Ah non, ok. Oui, non, je pensais qu'il y avait des probabilités. C'est peut-être possible, hein, mais... J'ai pas l'impression. Donc voilà. Allez, hop. Une petite tornade. En plus, tornade, c'est tellement puissant. Des trucs du style, franchement. Voilà, il est bientôt niveau 23. Et en fait, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais continuer à farmer ici, normalement. Pépère. Et je pense, je vais aller voir un petit peu c'est niveau combien, mais je pense que c'est niveau 28 pour monter le Recoupes. Et je vais également faire ça peut-être avec Reptincelle, ça peut le faire. Hein, parce que Reptincelle est bientôt niveau. Enfin, il est niveau 31, mais j'aimerais bien l'up niveau 35, 36. Ce serait cool. Magnitude 10, par contre, je sais pas c'est quoi la magnitude. Donc voilà, ça peut être intéressant. Voilà, Recoupes niveau 23, et ça, c'est vachement cool. Et donc voilà, on va s'en arrêter là pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve donc très bientôt pour de prochaines aventures. Continuez à être toujours aussi présent dans les commentaires et au niveau des likes, ça me fait ultra plaisir. Prochaine vidéo, on partira à la mer, on partira à la mer. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, de vous abonner, de partager, c'est ultra important. Et d'aller sur le Twitter et le Twitch si vous en avez l'occasion. Merci à tous et à très bientôt. Allez, salut! Bravo pour les rangers, je découvre un nouveau monde. Rien ne peut m'arrêter, au fond de moi le désir gronde. Il y a tant à apprendre, tant de matchs à livrer.